retour sur YouTube après 8 mois d'absence. Je sais, c'était long, mais je suis revenue. Merci. Merci. Pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, vous êtes au courant de toutes mes aventures de l'année passée, d'où mon absence sur YouTube. Mais je suis de retour avec plein d'idées recettes. Et cette année, il y a une petite nouveauté. Je suis vraiment très heureuse de vous annoncer qu'à partir de maintenant, mes recettes seront exclusivement minceur, healthy et santé. Non, c'est une blague, je vous taquine. Évidemment, les 30 nouvelles recettes que j'ai dans mon petit carnet sont toutes bien fatasses et bien gourmandes pour rester en forme et en forme. Elles viennent du monde entier et nous allons commencer aujourd'hui avec une recette de 7 ans facile façon poulet. Donc, la petite nouveauté, c'est ce format vidéo que je vous propose aujourd'hui, que nous n'avons jamais fait ensemble. C'est un peu comme un cours de cuisine. Donc, le principe, en fait, c'est que au début de la vidéo, je vais vous dire tous les ingrédients dont vous avez besoin. Je le mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous l'avez par écrit, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous allez acheter ces ingrédients. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire la recette. Et ensuite, eh bien, vous posez votre téléphone dans votre cuisine et nous allons cuisiner ensemble en temps réel. Avant, je faisais donc des petites vidéos très rapides pour vous montrer des idées recettes faciles, comment les faire, quels ingrédients utiliser. Et maintenant que vous êtes tous vegan et que vous avez acheté mon livre des 140 recettes vegan faciles, eh bien, vous êtes prêts à cuisiner. N'est-ce pas ? Oui, parce que pour tous ceux qui ont raté l'info, je vous annonce que mon livre est sorti. C'est toutes les recettes que j'ai fait sur YouTube pendant 2 ans. C'est que des recettes faciles, rapides, gourmandes et véganes. Voilà, il est trop beau. Merci les éditions La Plage. J'ai aussi écrit des petits textes engagés, une introduction pour vous faire part de mon parcours. Comment se fait-ce que je sois passée d'une alimentation extrêmement carnée à manger de la viande et du poisson plusieurs fois par jour, tous les jours, à chef vegan? La réponse est dans ce livre. Donc je referai aussi des formats vidéo courts, super faciles, tout ça, juste sur mes mains et tout. Mais il y a des recettes qui sont un peu plus difficiles à faire, notamment le seitan. Pourquoi ? Parce que le seitan, eh ben, une fois sur deux, on rate, on n'a pas mis le bon dosage d'ingrédients, on a trop pétri, on n'a pas assez pétri. Et sur Internet, il n'y a pas beaucoup de propositions de recettes de seitan faciles à faire. J'ai envie de la partager avec vous parce que j'ai trouvé enfin le mélange d'ingrédients idéal pour réussir un seitan délicieux. Et c'est très facile à faire. Donc, ne perdons pas de temps, il est temps de se remettre en cuisine. C'est parti! Donc, je prends ma recette qui est écrite ici. Comme vous le voyez, mon carnet a bien pris cher pendant ces 8 mois. Et moi aussi. Alors, c'est parti. Je suis surexcitée. Vous êtes prêts? À vos fourneaux. Voilà donc ce dont vous avez besoin pour réaliser cette recette. Avant toute chose, munissez-vous de 2 saladiers, puisque nous allons commencer par mélanger les ingrédients sec d'un côté et humide de l'autre. Vous aurez également besoin d'une petite casserole, de quoi peser vos ingrédients, de quoi mesurer vos liquides et une grande casserole. Pour les ingrédients secs, l'ingrédient dont vous avez besoin pour réaliser le seitan, c'est de la farine de gluten de blé. Je dois expliquer ce que c'est que le seitan ou ça va, vous savez ce que c'est maintenant, non, je ne vais pas le dire pour la 35e fois. Si ? Le seitan, avant toute chose, c'est une formidable alternative pour remplacer la viande. C'est aussi très riche en protéines et c'est aussi très bon. C'est un mélange d'ingrédients qui forme une sorte de pâte qu'ensuite tu cuis et tu cuisines comme si c'était, par exemple, aujourd'hui du poulet. Mais on va faire aussi façon bœuf bourguignon, façon chorizo et façon ce que tu veux. On peut l'acheter dans les magasins bio, au rayon frais, on en trouve, je crois même maintenant dans les grandes surfaces, mais ça coûte très cher. Et donc, il est plus intéressant de le faire à la maison aussi parce qu'on peut lui donner la forme et le goût que l'on souhaite.
Donc, le secret de cette recette, pour faire du seitan, il vous faut de la farine de gluten de blé. Où est-ce qu'on la trouve? Dans les magasins bio, au rayon farine. Et s'ils n'en ont pas en rayon, vous pouvez tout simplement leur demander d'en commander. Donc, pour les ingrédients secs, vous avez besoin de farine de gluten de blé, de farine de pois chiche, qu'on trouve aussi au rayon des farines, un peu partout maintenant, de la levure diététique, levure maltée, des oignons secs, un mélange d'herbes et un mélange d'épices poulet. Ça, c'est un mélange que j'ai choisi déjà tout prêt, façon poulet tikka, c'est un plat indien, mais il existe aussi d'autres mélanges d'épices, notamment dans les grandes surfaces ou dans les magasins bio avec écrit « volaille » ou « poulet masala » ou « poulet tikka » ou « poulet à la méditerranéenne ». Donc moi j'adore la cuisine indienne. Donc j'ai acheté ce mélange « poulet tikka » qui sent très très bon. Et ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, pour les ingrédients humides, on va avoir besoin d'eau, d'un peu de sauce soja, un peu de vinaigre de cidre, de gousses d'ail et du miso. Le miso, là, c'est du miso d'orge, je l'ai trouvé en magasin bio. En fait, à chaque fois que vous voulez créer une alternative à la viande, c'est-à-dire un truc qui va vous rappeler la viande si ça vous manque ou tout simplement parce que le goût est bon aussi, voilà, eh bien moi, je rajoute un peu de miso. Voilà, ça, c'est un petit secret. Le miso, c'est un peu l'ingrédient miracle de tous vos plats façon carnet. Et il vous faudra également un petit bouillon de légumes. Oh. Ah ouais, et une planche. Et un couteau. C'est à partir de maintenant que nous allons cuisiner ensemble. Donc, on va commencer par mesurer nos ingrédients secs. Donc, j'ai besoin de 260 g de farine de gluten. Alors, je pèse. J'en ai trop mis. Voilà, à peu près. Tac. Ensuite, 130 g de farine de pois chiche. La moitié en fait. Un volume de farine de pois chiche pour deux volumes de farine de gluten. Voilà. 130. J'en ai trop mis. Et voilà. Voilà. Ensuite, 2 cuillères à soupe de levure maltée. Une et deux. Ensuite, 1 cuillère à soupe d'oignons secs. Ça, on les trouve vraiment de partout. Hein. C'est au rayon des épices. Combien j'ai dit ? Une. Ensuite, le mélange d'herbes. Je sais pas, je vais mettre un peu au pif, comme ça. Voilà. Et par exemple, là, on va mettre la moitié du mélange d'épices. Comme ça, on utilisera l'autre moitié lors de la cuisson. On mélange bien. D'ailleurs, on va prendre un fouet pour le faire. Voilà, on mélange bien, bien, bien. Et maintenant, on va s'occuper des ingrédients humides. Donc, on va commencer avec un bouillon. Donc, on va prendre combien ? 310 centilitres. Alors, ces dosages sont un peu bizarres en grammes et litres. Désolée, parce qu'en fait, j'ai établi cette recette quand j'étais sur le bateau et on mesurait avec des cups et des teaspoons et tablespoons. Et du coup, j'ai tout converti en grammes et centilitres. Donc,
C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, 310 centilitres d'eau. 310. Il y en a trop. Voilà. Et le bouillon. Et on va le faire chauffer. Autant pour moi, le bouillon, plutôt que mettre le cube, vous pouvez les friter avec les doigts dans l'eau. Et comme ça, ça ira plus vite. Voilà. Et ça fait de la poudre de bouillon. En attendant que ça chauffe, on va donc s'occuper du miso. Donc ça se présente comme ça, le miso, tu vois, c'est une pâte. Et on va en fait le diluer d'abord. Donc, combien j'ai mis ? Une cuillère à soupe. Donc deux petites cuillères, à peu près. Voilà. On va le diluer avec, ça je l'ai déjà dosé, c'est deux cuillères à soupe de soja, de sauce soja, et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Voilà. On mélange. Voilà, comme ça la pâte elle est un peu délitée. C'est comme ça qu'on dit en français ? Délitée. Je veux dire, elle s'est mélangée au liquide. T'as compris ? Et on va presser nos deux gousses d'ail. Comme ceci. On enlève la peau. Tu connais la technique ? Pour enlever la peau facilement d'une gousse d'ail. Là, elle est entière. Tu prends ton couteau, tu mets ta lame comme ça et tu écrases avec la paume de ta main. Et voilà. Et là, c'est hyper facile. Alors, soit on le fait au couteau, soit on prend un presse-ail. Est-ce qu'il y a un presse-ail ici ? Oui. Voilà, je fais au pressail parce que les petits morceaux, ça se mélangera mieux à tout le mélange. Après, libre à toi de choisir d'avoir des gros morceaux d'ail qui craquent sous la dent. C'est très bon aussi. Voilà. Et c'est bon. On mélange et on va rajouter le bouillon. Donc là, le bouillon s'est bien mélangé dans l'eau, donc on peut l'ajouter à notre mélange. Il est tiède chaud et on l'ajoute dans le mélange. Et de nouveau, on mélange. Voilà. Et maintenant qu'on a ce mélange humide et sec, nous allons les unir ensemble. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est facile. Maintenant, c'est la phase délicate que on rate au début, en général, et qui est en fait très facile. On fait un puits avec tes doigts. Alors là, on va utiliser nos mains. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais lavez-vous les mains avant de cuisiner. Donc on fait un petit puits, comme ceci, et on ajoute notre mélange liquide. Voilà. Formidable. Et maintenant, on se munit du fouet. On met le fouet au milieu et on tourne délicatement. Et là, le gluten est déjà en train de réagir.
de se solidifier. Quand tu vois que la pâte commence à se former, ben on arrête avec le fouet. On prend nos mains et là, on va mélanger doucement. Ils sont bons. Donc là, le but, c'est d'obtenir une sorte de pâte homogène. Il faut que bien le mélange de farine se mélange au liquide. Donc là, on a déjà une pâte. Hein. Donc tu peux y aller un peu. Vous pétrissez en même temps que moi. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est si tu pétris trop, en fait, tu vas avoir une texture de caoutchouc. Mais sinon, non. Le tout, en fait, c'est que tout se mélange bien. Et voilà. Alors, on vérifie. On vérifie comment? En faisant comme ça. Doing. Ok. Là, on a mélangé quoi? Pendant 1 minute 30, pas plus. Ok. Ça, c'est du 7 ans. C'est tout, c'est facile, tu vois. On se munit de notre planche à découper. On va faire bouillir de l'eau dans une grande casserole. Genre beaucoup d'eau. Voilà. Et maintenant, on va... Alors ça, on va le faire bouillir. On va couper notre boule de 7 ans. Crac. Un morceau comme ça. Comme ça à peu près. On peut un peu repétrir. Alors le but, c'est d'avoir une pâte quand même homogène, mais pas trop dure. Il faut qu'elle soit compacte un petit peu. Je sais pas comment expliquer. Voilà, je vais peut-être m'approcher de la caméra pour vous montrer. Attends, j'arrive, je te montre ce qu'il faut faire. Est-ce que tu vois là? Tu vois, il faut un mélange un peu comme ça. Ping. Là, le but, c'est qu'on fasse des morceaux comme ça, un peu à l'arrache. Ça cuira très bien, ok? Voilà, on coupe des morceaux à peu près tous de la même taille. Je dirais de taille moyenne. Ouais, t'as pas vraiment besoin de repétrir, tu le reformes un peu. Tu lui donnes un peu plus de densité sans pétrir. Tac, tac.
Et voilà. Donc là, a priori, on se retrouve avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 bouts que l'on va placer dans l'eau bouillante. Quand elle boue, elle ne boue pas. Et quand l'eau boue, on va les plonger dans l'eau bouillante pendant 45 minutes. Comme ça, dans l'eau bouillante, c'est tout. Je vous invite maintenant à faire pause dans la vidéo, puisqu'on ne va pas attendre 45 minutes, comme ça. Et je reprendrai au montage de cette vidéo la suite après les 45 minutes de cuisson. Nous revoilà pour l'étape suivante. Donc là, les morceaux de seitan sont bientôt cuits. Et maintenant, on va avoir besoin de 2 oignons, le reste de mélange d'épices qu'on a utilisé tout à l'heure, une grande poêle, une passoire et 3 tonnes d'huile. En fait, cette base de seitan, je l'utilise ensuite comme si c'était du poulet que je vais cuisiner. Comme si ça, c'était le poulet cru, ou le veau cru, ou n'importe quelle viande blanche. T'as compris? Voilà. Alors, pourquoi 3 tonnes d'huile? Moi, j'aime bien cuisiner avec beaucoup d'huile ensuite, parce que le seitan, c'est assez sec et assez insipide, on va dire, et que la viande, normalement, est naturellement grasse. Donc, en fait, je vais le faire cuire avec de l'huile. Là, j'ai pris une huile neutre de cuisson, mais si tu veux faire un seitan à la méditerranéenne, tu peux très bien utiliser de l'huile d'olive, ou quoi, ou qu'est-ce? T'as compris? C'est bien. Donc, en attendant que ça finisse de cuire, je pense que j'en ai encore pour 5 minutes, on va couper des oignons. Ça tourne. Il a dit ça sent bon. Tu vois? Alors, on va couper les oignons de façon un peu grossière, comme ceci. Pourquoi les oignons? Encore une fois, c'est parce qu'ils vont apporter du goût. Ça pique. Donc là, j'ai choisi des oignons frais, blancs, très très forts. J'aime bien parce que quand on les cuit, petite saveur de caramel qui n'est pas déplaisante. Ah, oh. Ça me brûle les yeux. Voilà. Donc on a des gros morceaux d'oignons comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. On place notre passoire dans notre évier, comme ceci. Donc là, j'ai laissé à feu fort pendant 45 minutes. Voilà, j'ai fait la vaisselle. Libre à vous de vous occuper de la façon dont vous le souhaitez. Cela ne me regarde pas. Et maintenant, je vais changer le plan de la caméra pour vous montrer cette étape de cuisson pour que vous voyez un peu le résultat. Après 45 minutes, on va égoutter un morceau de seitan. Et maintenant, hop, donc on obtient quelque chose comme ça. Et on va les couper en morceaux. Par exemple, comme ça. Accompagnez-les avec ce que vous aimez et créez votre assiette complète. Par exemple, avec du riz blanc, une soupe de légumes de saison au lait de coco, une salade de carottes à l'orange ou toute autre recette qui se marie bien avec le type de mélange d'épices que vous avez choisi.
et vous n'avez plus qu'à les faire cuire 5-10 minutes à feu moyen fort dans une grande poêle. Il existe plusieurs façons de faire du seitan, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre recette que j'adore. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite un bon appétit. Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.